Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire Shaper. Donc, pour les gens qui c'est la première fois qui suivent un de nos webinaires francophones, je me présente, je m'appelle Rachel. En fait, je m'occupe de la section support au niveau francophone en Europe, donc à notre bureau de Stuttgart, c'est d'ailleurs où on se trouve aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires francophones, vous avez déjà entendu mon bel accent québécois. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Merci d'être présent. Et puis, on a un très beau planning à l'horaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va travailler, en fait, sur le projet de queue d'aronde. Alors, mon collègue Andy a déjà fait un fichier SVG qui se retrouve sur le Shaper Hub, qui est la plateforme de partage. Je vais vous la montrer un peu plus tard. Donc, on va travailler avec ce fichier-là aujourd'hui. Alors, je lui dis merci pour ce fichier. Vous pourrez d'ailleurs aller le télécharger plus tard. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, la démo est une démo de queue d'aronde. On va travailler, en fait, sur la workstation. Si c'est la première fois que vous suivez un de nos webinaires, je vous conseille fortement en fait d'aller regarder un de nos webinaires, c'est-à-dire la base de Shaper, Origine et Workstation sur notre site internet, en fait le live.shapertools.com. Dans le bas de la page, il y a une playlist francophone, donc nos webinaires déjà existants sont présents. Et puis, à ce moment-là, ça va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure idée de toute la base à propos d'Origine pour avoir plus d'informations. Mais vous pouvez toujours rester avec nous aujourd'hui, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Alors, vous pourrez poser vos questions dans la chatroom, vous êtes toujours les bienvenus. Aujourd'hui, en fait, dans la chatroom, je travaille avec Myria et Sonia qui vont répondre à vos questions lors de la démonstration. Elles parlent français légèrement, donc soyez vigilants, indulgents en fait. Par contre, on a déjà travaillé comme ça lors d'un de nos précédents webinaires, puis ça s'est très bien déroulé. Donc, à la fin de la démonstration, moi, je vais prendre mon laptop, puis on va pouvoir échanger ensemble, regarder un peu les questions à répondre, avec le temps qui nous reste selon la démonstration, évidemment. Si vous avez des questions concernant votre commande, concernant un paiement, quoi que ce soit, je vous invite à directement nous écrire à hello@shapertools.com. À ce moment-là, on va être en meilleure mesure de vous aider et de vous supporter, étant donné qu'à l'occasion, dans nos réponses, il peut y avoir des informations confidentielles. Alors, assez de blabla, on commence. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, en fait, on va faire le projet de queue d'aronde. On va regarder. Donc, à partir du moment que vous avez une origine, vous allez être en mesure de vous créer un compte Shaper Hub. Le compte, d'ailleurs, vous allez pouvoir le créer directement sur votre machine. On ne peut pas le créer sur le site Internet. Donc, lorsque vous commandez origine, c'est lorsque Origine arrive que vous allez être en mesure de créer votre compte Shaper Hub. Donc, je vais vous montrer un peu. À partir du site Internet, moi, je suis présentement déjà, je me suis déjà loguée, là, je me suis déjà inscrite, donc sur mon Shaper Hub, mais vous allez pouvoir aller cliquer, en fait, directement sur l'onglet Shaper Hub. On va y aller comme ça ici. Fait que je vais vous montrer en fait le projet. Peut-être que mes collègues vont pouvoir aussi ajouter dans la chatroom l'information du projet, mais je vous montre quand même comment aller le chercher. Donc, quand je clique ici, on peut mettre n'importe quel mot-clé. J'ai cliqué « Dovetail » et puis c'est le fichier qu'on va aller fraiser aujourd'hui, celui-ci. Voici le fichier. On a toujours un peu la description du fichier, puis on peut aller cliquer ici pour le copier dans notre propre hub. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'étais prête. Par contre, lorsque vous cliquez sur ça ici, puis que vous êtes déjà connecté à votre hub, à ce moment-là, automatiquement, le projet va se retrouver dans votre machine origine. Ce qui est intéressant de ce projet-ci, c'est que vous avez, lorsque vous l'ajoutez à votre hub, je vais vous montrer, vous avez accès à aller dans My Files. Et puis, dans le Dovetail, vous allez retrouver, en fait,
trois PDF. Donc, le français, l'anglais et l'allemand. Donc, les instructions se retrouvent en français pour ce projet-ci. Donc, mes collègues vont ajouter dans la chatroom, si ce n'est pas déjà fait, le lien pour aller chercher directement le projet. Mais c'est très simple à faire, en fait. Donc, vous pouvez évidemment aller ajouter vous-même vos projets ou vous pouvez aller télécharger des projets qui ont été faits et partagés par d'autres utilisateurs Shaper. Donc, le but, en fait, de Shaper Origin est vraiment aussi de créer la communauté, c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous avez une origine, oui, vous travaillez avec votre origine, mais vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que vous êtes toujours en contact avec nous ou avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs Shaper Origin grâce au Shaper Hub et évidemment au forum de la communauté. Donc, vous pouvez toujours aller échanger avec des gens qui ont eu d'autres expériences que vous avec leur origine. Donc, c'est intéressant à échanger. Alors, on se dirige aujourd'hui, comme je vous dis, le projet, en fait, à partir du Shaper Hub, je l'ai transmis directement dans mon origine. Alors, aujourd'hui, en fait, on a nos deux matériaux qu'on va aller utiliser. Puis, on va aller fraiser avec une fraise de 6 mm et une fraise de queue d'aronde. Celle-ci, c'est une Bosch. D'ailleurs, dans le fichier, vous allez pouvoir aller cliquer directement sur le lien pour choisir, pour voir un peu le type de fraise qui a été utilisé. Par contre, mes collègues vont pouvoir aussi ajouter le lien de celle-ci. En fait, celle-ci, c'est une Bosch. Je vais vous la montrer, comme ça ici. Puis le numéro, en fait, je ne vous le dirai pas, là, parce que, comme je vous dis, on va mettre le lien, donc vous allez être en mesure de le retrouver. Donc, c'est les deux fraises qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre projet. Donc, je suis contente, en fait, de travailler sur la workstation au niveau de la verticale. C'est pas arrivé souvent dans nos webinaires francophones qu'on a eu la chance de le faire. Je pense que je l'ai fait une fois avec une charnière SOS, mais c'est tout. Donc, la workstation, ce qui est très intéressant, elle a la partie Shaper Tape permanent. Donc, vous n'avez pas besoin de marquer votre plan de travail pour pouvoir fraiser avec origine. Donc, on a accès à installer une tablette que vous recevez avec la workstation, mais on peut aussi utiliser ce côté-ci pour venir fixer nos projets de fraisage. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, si vous avez origine, mais vous n'avez pas la workstation, vous allez reconnaître l'outil. En fait, c'est exactement le même outil qu'on va aller utiliser pour retirer la broche d'origine. Alors, tout est pensé pour faire en sorte qu'on vous simplifie la vie, c'est-à-dire que c'est exactement le même outil. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs outils pour travailler avec la workstation et origine. Donc, sur notre plateforme de fixation juste ici, j'ai des goupilles d'alignement vertical. Je vais vous les montrer. En fait, je pense que vous allez mieux le voir sur celui-ci. En utilisant mon outil, je viens sortir mes goupilles d'alignement vertical. Et puis ça ici, ça va nous donner un angle de 90 degrés. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été calibré. Vous n'avez pas besoin de calibrer votre workstation lorsqu'elle arrive. Et puis, vous pouvez vous assurer que lorsque vous allez venir fixer votre matériau juste ici, vous allez toujours obtenir un angle de 90 précis, rapidement. Et oui, c'est répétable aussi facilement. Donc, je viens utiliser... ma planche, elle est de 132 mm et puis l'épaisseur, je ne me rappelle plus exactement par cœur, mais dans le fichier, dans le PDF, vous allez voir, en fait, c'est dans les trois premières lignes, on dit exactement les bonnes mesures de votre... En fait, je vais vous le dire, je vais aller chercher mon laptop, ça m'achale, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, toutes les informations se retrouvent dans le document. Et puis, vous allez être capable de le télécharger en français. Donc, moi, je l'ai ici en anglais. Mais on parle de 132 mm par 12 mm. Et voilà. Je
voulais vous le dire. Donc, je vais commencer en fait avec cette planche-ci que je vais venir fixer. Donc, lorsque vous allez commander ou lorsque vous utilisez votre workstation, vous recevez deux pinces comme ça ici pour bien fixer votre projet. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci, mais j'aime bien combiner les deux, en fait, avec celle-ci. Donc, on a des rails ici qui nous permettent de bien fixer nos projets. Donc, je vais venir déposer ma workstation et la fixer. C'est un petit peu trop serré. Donc, l'avantage d'aller faire des queues d'aronde avec Origin, bon, premièrement, c'est rapide, c'est très facile, mais c'est qu'on arrive avec une précision et une qualité très rapidement. Donc, la pratique n'est pas… vous n'avez pas beaucoup d'heures de pratique à devoir faire. En fait, après une ou même deux fois, on arrive avec un résultat très précis, très rapide et net. Donc, je suis venue placer ma planche juste ici et puis je vais venir rajouter ma barre de support juste ici. Donc, une fois qu'on a placé notre projet, on va aller chercher finalement notre fichier qu'on a envoyé directement dans notre Origin. Donc, je vais d'abord, une fois que j'ai placé mon projet, je vais venir scanner. Nouveau scan, commencer le scan. Donc, vous avez probablement déjà fait cette action. Par contre, je vais juste tasser les fils. En fait, on vient balayer notre espace de travail pour donner suffisamment d'images à Origin pour qu'elle puisse finalement faire une carte géographique, on pourrait dire, du plan de travail pour pouvoir bien se situer dans l'espace. Donc, c'est d'ailleurs la raison pourquoi on utilise le Shaper Table, pour que Origin soit en mesure de savoir où elle se situe dans l'espace pour pouvoir vous corriger dans un diamètre de 12,7 mm. Voilà pourquoi. Alors, une fois qu'on a fait notre scan, la prochaine étape, on va aller chercher notre fichier. Non, c'est pas vrai, je vous ai menti. En fait, avant, je vais aller faire une grille parce que je veux être capable de bien placer mon projet. Donc, je vais sortir, j'ai déjà ma fraise de 6 mm dans mon collet. Donc, on va aller chercher la mode grille, nouvelle grille. Je descends ma fraise, parfait. J'ai une fraise de 6 mm et voilà. Donc, on va aller faire deux points. Donc, mon premier point, je fais une grille traditionnelle aujourd'hui. Donc, avec la dernière mise à jour Humboldt, vous avez quatre différents types de grilles possibles. D'ailleurs, un des webinaires est à propos de la mise à jour d'Origin Humboldt. Alors, si vous voulez voir un peu les différentes grilles possibles, je vous invite à aller voir la vidéo. Les quatre différentes possibilités sont bien expliquées. Donc, une fois que j'ai fait ma mesure, j'ai fait deux points de référence sur l'axe des X et un point au niveau de l'axe des Y. Je vais venir cliquer sur « Modifier ». Puis moi, j'aime bien travailler en 1 mm. Donc, à chaque millimètre qu'on se déplace, vous pouvez voir dans le haut ici, les coordonnées finalement de géographiques sur mon plan de travail. Donc, Origin est capable de savoir au millimètre près où elle se trouve sur le plan de travail. Donc, une fois que j'ai bien installé mon plan de travail comme ça ici, on va venir importer notre fichier. Donc, j'ai déjà envoyé, comme je vous dis, mon fichier dans mon Shaper Hub. Alors, pour pouvoir vous connecter sur le Shaper Hub directement sur la machine, on va venir cliquer ici. Puis, voilà mon compte. Donc, en cliquant juste ici, vous avez accès à vous connecter. Donc, si vous avez le Wi-Fi, vous êtes en mesure sans problème d'aller chercher votre fichier. Si vous n'avez pas le Wi-Fi, juste ici, vous avez votre clé USB. Donc, vous pouvez seulement, lorsque vous allez sur le Shaper Hub sur l'ordinateur, vous pouvez seulement le télécharger, l'ajouter à la clé USB et l'installer. Donc, si vous êtes dans une situation où vous sortez d'une région avec Wi-Fi, ce n'est pas du tout un problème. Vous ajoutez simplement l'information dans votre clé USB et on l'ajoute juste dans notre Origin de ce côté-ci. C'est très, très simple. La clé USB arrive d'ailleurs avec Origin. Donc, on clique sur « Importer » parce qu'on peut créer directement sur notre interface, mais ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On vient importer un fichier.
Donc, on a le Shaper Hub ou la USB. Donc, aujourd'hui, moi, on travaille sur le Shaper Hub et c'est le fichier Dovetails. On va aller chercher le fichier 2. Je vais commencer, en fait, par fraiser le fichier 2 parce que je vais utiliser ma 6 mm et ma fraise ensuite à queue d'aronde. Puis, je vais faire ma deuxième partie seulement avec ma fraise de 6 mm. Une fois que j'ai téléchargé mon fichier, on le voit sur le plan de travail. Présentement, mon ancrage est au centre. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, quand on vient cliquer sur « Ancrage », à ce moment-là, on peut vraiment choisir où ce qu'on veut recevoir notre point d'ancrage. Moi, c'est le côté juste ici. Donc, le bas de mon fichier qui est juste ici. Vous allez d'ailleurs, ça devrait être écrit dans le fichier PDF. Donc, moi, mon point d'ancrage, je le veux à moins 10, moins 10. Donc, je viens chercher mon moins 10. Moins 10. Et voilà. Donc, présentement, je sais que mon plan de travail, mon fichier va être bien placé. Donc, je peux le placer directement sur l'interface ici ou sur ma poignée juste ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. On peut toujours double-taper pour voir en hauteur à quoi ressemble notre fichier. Voilà. Génial. Donc, j'ai déjà ma fraise de 6 mm. Par contre, pour aller faire un bon travail bien précis, il est recommandé d'aller faire notre calibrage aussi sur l'axe des Z, c'est-à-dire notre Z-Touch, directement sur notre matériau. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller chercher « Fraiser ». Ma fraise est une 6 mm. Et puis, je vais coller d'ailleurs ma barre de soutien à mon matériau. Comme ça, je suis certaine que mon origine va être bien assise sur la barre de support. Et puis, je viens cliquer sur Z-Touch. Donc, la fraiseuse descend et puis va toucher le matériel et remonte. Et voilà. Donc, ça fait en sorte qu'on est certain que notre axe des Z est bien calibré selon le matériau qui a été fixé sur le plan de travail. Chose importante à faire, que je m'apprête à faire, que je n'ai pas fait la première fois, je vous recommande de donner un lousse à votre barre de support une fois que vous avez fait votre Z-Touch, parce que vous ne voulez pas fraiser dans votre aluminium de votre barre de support, chose que j'ai déjà fait. Donc, je vous donne le petit hint, probablement que vous ne l'avez pas déjà fait, mais bon, ça m'est arrivé déjà. Alors, juste de redéplacer pour donner de l'espace là, à notre fraise pour être certain qu'on ne fera pas de dommages à notre barre de support. On peut d'ailleurs aussi ajouter un support board, un panneau de martyr de ce côté-ci. Et puis, quand vous installez un panneau martyr, une autre chose qui est intéressante, vous en recevez deux lorsque vous commandez Origin. Chose qui est intéressante, vous pouvez d'ailleurs, avec la même clé juste ici, tourner pour venir, j'ai envie de dire « squeezer », mais ça, c'est vraiment très québécois, je suis à peu près certaine. En fait, pour venir serrer votre panneau martyr pour être certain qu'il ne bouge pas. Donc, vous avez accès à venir là, vraiment bien le fixer pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Donc, on a fait notre scan, on a fait notre grille, on a importé notre fichier et on a fait notre Z-Touch. Donc, on est prêt à commencer. Alors, la première étape, on va commencer en fait quand on regarde le fichier. Si je regarde le fichier, c'est un fichier qu'on va faire en deux étapes. Alors, on va commencer à le fraiser avec une fraise de 6 mm, puis après ça, on va aller continuer avec notre fraise de queue d'aronde. Dans le fichier, je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hein. La première étape, en fait, on va venir vraiment fraiser un intérieur de notre fichier. Par contre, la deuxième partie, quand on va utiliser notre fraise à queue d'aronde, je vais vous montrer, en fait, qu'il y a des indications en bleu sur le fichier. C'est vraiment le guide pour savoir où on démarre et où on termine pour s'assurer de ne pas endommager notre pièce de travail. Parfait. On y va. Alors, on a notre fraise 6 mm. Par contre, là, quand je me déplace sur ma ligne, on voit que le
codage par couleur n'a pas été fait sur ce fichier-là. Si, en fait, probablement, si vous n'avez pas encore eu la chance de faire un fichier SVG, je vous invite à aller voir un de nos webinaires à propos des SVG, la création des SVG. On explique très bien le codage par couleur. Et puis, il y a aussi des articles sur notre espace support pour vous aider, vous guider. En fait, ça fait en sorte que lorsque vous allez amener Origine sur vos lignes de fraisage, votre chemin de fraisage, automatiquement, Origine sait qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, présentement, vous voyez, elle me dit sur ligne, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, c'est-à-dire que le codage par couleur n'a pas été fait. Alors, vous allez devoir l'ajouter vous-même. Alors, on vient cliquer juste ici sur notre type de fraisage et puis on veut faire un intérieur, comme ça ici. On a à fraiser sur 12 mm, donc je vais commencer par une première passe de 6 mm, étant donné que j'ai présentement, je travaille avec une fraise de 6 mm. Et puis, pour la première passe, on va aller faire un léger offset de 0.5. Vous pouvez accéder à venir faire un offset de 0.5 négatif ou positif. Donc ici, on vient faire un offset positif de 0.5. Et puis à 6 mm, ma fraise est 6 mm et j'ai fait mon Z-Touch. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on suit nos paramètres pour s'assurer que tout est en ordre. Je vais aller voir ma vitesse. On va y aller un peu plus. Je vais y aller avec ma vitesse par défaut. Donc, lorsqu'on travaille en mode automatique, on peut aller choisir notre vitesse d'abaissement et notre vitesse automatique. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec ma vitesse par défaut de 250. Voilà. Génial. Donc, je vais aller chercher mes protections. On va pouvoir commencer. Donc, première passe, 6 mm. Deuxième passe, 12 mm. Et finalement, après, on change pour la fraise de queue d'aronde. Parfait. Alors, on démarre l'aspirateur. On démarre la spindle, la brosse. Et puis, on peut commencer ici, mais je recommande vraiment d'aller peser sur votre bouton vert de votre poignet. Comme ça, vous avez déjà bien en main votre Origine pour qu'elle soit bien stable. Je vais placer. Alors, on y va. Donc, pour les gens qui c'est la première fois qui nous suivent, je vais vous montrer, en fait, lorsqu'on descend, à partir du moment qu'on descend, on peut se déplacer manuellement ou on peut peser sur notre bouton vert qui est, en fait, l'automatique. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais peser. Fait que moi, je me déplace. Mais Origine travaille automatiquement. On peut voir, d'ailleurs, lorsque je travaille avec une fraise, par exemple, 6 mm, là, on peut voir en fait que mon bleu, pas une fraise de 6 mm, excusez-moi, avec une profondeur de 6 mm, on peut voir mon historique de coupe en bleu. Et puis quand je vais descendre à 12 mm, mon bleu va être plus foncé. Donc, notre bleu est foncé, notre historique de fraisage, plus qu'il est profond. Ça nous indique pour savoir qu'est-ce qu'on a déjà fraisé, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fraisé. Et puis aussi, à ce moment-là, de mieux guider pour la suite. Je vais placer mon fil. Parfait. Et la dernière. Ici. On le voit très bien ici, en fait, ça va être notre guide pour ressortir. Je vous parlais un peu des guides de quand on va utiliser la fraise à queue d'aronde. Donc, on peut voir que ça va être notre guide pour ressortir la fraise. Donc, j'ai fait ma première passe à 6 mm avec un offset. Je vais me replacer au même endroit. Cette fois-ci, ce que je vais venir faire, je vais venir faire ma deuxième passe à 12 mm. Je reste en intérieur. Par contre, cette fois-ci, je ne ferai pas d'offset. Et puis, parfait, génial, pas d'offset, 6 mm, on y va. Donc, on voit ici notre deuxième, j'en profite parce qu'on les voit bien, là, notre deuxième guide pour savoir où est-ce qu'on doit se diriger pour la coupe. On descend.
si vous voudriez travailler seulement en mode automatique, vous avez toujours la possibilité de double-cliquer sur votre bouton vert lorsque vous commencez votre, votre étape de fraisage. Ici, je ne suis pas dans le, matériel, donc on va comme ça. À ce moment-là, si vous double-cliquez, dans le bas, au lieu d'être écrit « auto », ce sera écrit « auto-lock », je crois. « Lock » ou « verrouiller », je suis certaine. Mais bref, ça fait en sorte que vous n'avez pas besoin de garder votre doigt sur le bouton lorsque vous êtes en, mode automatique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'hybride, donc avec les deux, un peu automatique, un peu manuel. J'aime mieux travailler mon mode automatique non verrouillé, mais ça, c'est vraiment, vraiment propre à chacun. Donc, une fois qu'on va avoir fini cette étape-ci, on va se diriger, en fait, vers la deuxième étape de fraisage pour ce plan de travail-ci. Parfait! Génial. On a fait notre première étape. On va être prêt maintenant à travailler avec notre prochaine fraise. Donc, on va aller retirer celle-ci. Encore une fois, comme je vous parlais un peu plus tôt, avec le même outil. Donc, tout se fait avec celui-ci. C'est plus simple. Vous en recevez un plus court avec Origine et puis un plus long avec la Workstation. Donc, lorsque vous recevez Origine, vous recevez une fraise de 6 mm, une fraise de 3 mm et une fraise à graver. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec la fraise 6 mm. Et on va aller travailler avec la prochaine qui est juste ici, la Dovetail. C'est une Bosch et puis les informations vont se retrouver dans le document lorsque vous allez le chercher directement. D'ailleurs, une chose qui pourrait être intéressante, je reçois quand même, parce que quand vous avez des questions en français via le hello@shapertools.com, je m'occupe de répondre à vos questions. Une chose que je me fais assez souvent demander, c'est au niveau du collet, c'est-à-dire que le collet est verrouillable et puis il y a deux points d'ancrage de verrou. Donc, c'est peut-être quelque chose à noter. Pour les gens qui n'ont pas encore Origine, les gens qui l'ont reçu ont probablement soit déjà découvert ou m'ont écrit pour me poser la question. Donc, on doit bien presser, bien peser sur le bouton. Et puis, à ce moment-là, on a deux points d'ancrage de verrou. Donc, voilà pourquoi que des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est vraiment pour s'assurer qu'elle reste en place. D'ailleurs, celle-ci, c'est vraiment important de bien la serrer pour qu'elle reste en place parce qu'on va lui demander quand même une bonne charge de travail. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé avec ma 6 mm. J'ai enlevé du matériau avec ma fraise 6 mm pour éviter de surcharger ma fraise à queue d'aronde, mais malgré tout, on recommande de vraiment bien la serrer pour cette étape-ci. Quoique, c'est toujours mieux de toujours bien serrer notre fraise, mais c'est particulièrement important. Parfait. Donc, du fait que j'ai changé ma fraise, je vais aller changer déjà, je vais aller aviser Origine parce qu'elle ne sait pas que j'ai plus la même fraise, mais je vais ramener ma barre de support pour que je sois en mesure d'aller aviser déjà. Vous allez le voir dans le document, mais je l'ai décrit juste ici. Donc, on vient ajouter une 7,9 mm de diamètre pour la fraise. Et puis, automatiquement, Origine me dit « Oh, c'est plus la même fraise, donc je dois faire mon Z-Touch. » Puis, on vient se réinstaller sur… sur notre matériau. Et puis, évidemment, on s'organise de s'installer, s'aligner avec un endroit où on n'a pas déjà fraisé pour ne pas biaiser notre axe des Z.
Donc, j'ai déplacé ma barre de support, je clique sur mon axe des Z. À ce moment-là, origine plonge pour aller toucher le matériau et remonte. C'est vraiment important que votre origine soit toujours vraiment sur une surface plate. Si elle est à moitié dans le vide, on pourrait dire, à ce moment-là, il y a de fortes chances que quand vous allez la fraise va descendre, cette partie-ci va lever. Donc, c'est vraiment important qu'elle soit sur une surface plane. Parfait. Donc, encore une fois qu'on a fini cette étape-ci, on redéplace notre barre de support. Génial. Donc, la prochaine étape, on va s'installer. Voilà l'utilité de nos guides. C'est-à-dire que maintenant, on le sait qu'on démarre, parce que si vous regardez bien, mon matériau, c'est vraiment cette étape-ci. Tout ça ici, c'est vraiment je suis dans le vide finalement quand je travaille ici. Donc, le but est vraiment de partir d'ici avec la fraise, de venir fraiser complètement, de remonter et puis de ressortir soit ici, mais l'idéal, ça va être vraiment de ressortir à la fin complètement juste ici. Comme ça, on s'assure de ne pas sortir dans cette partie-ci parce qu'on va venir abîmer en fait notre projet si c'est le cas. Donc, je souhaite qu'en live, ça ne m'arrive pas. Donc, on a bien installé nos paramètres. On reste sur un 12 mm sans problème. On reste en mode intérieur. On va encore une fois travailler sans offset. Mon diamètre de coupe de fraise est déjà en place. J'ai fait mon Z-Touch. Ma vitesse, ce qui est recommandé, que vous allez retrouver dans le fichier d'ailleurs, est le mode par défaut, c'est-à-dire à 250. Donc, on est prêt. On peut démarrer. Donc, si j'explique un peu, là, on va vraiment partir d'ici, on va faire complètement le projet, puis on va ressortir complètement à l'autre bout. Quand vous allez faire ça, c'est toujours mieux de le faire en mode automatique. Mais ce qui va être très important, je vais sortir ici, je vais vous le montrer. Ce que veut dire cette section-ci, c'est que, bon, déjà, le point et la petite croix, c'est votre fraise. Où se trouve votre fraise sur votre matériau? Ensuite, votre rond et le diamètre de correction. Donc, ça va être important de vous organiser que la fraise soit toujours dans le diamètre de correction, ou si vous bougez trop rapidement aussi, ça pourrait arriver encore une fois. On ne veut pas que la fraise se relève parce que le but d'origine, évidemment, de vous corriger dans le diamètre de 12,7 mm. Et si on sort de ce diamètre-ci, automatiquement, origine se relève pour éviter d'endommager votre projet. Ce qui n'est pas le cas avec cette fraise-ci, c'est-à-dire que si, avec ce qu'on s'apprête à faire, on ressort la fraise, c'est le contraire, on vient abîmer notre projet. Donc, vraiment important de s'assurer de rester dans votre diamètre de correction. Donc, on s'installe. Et on y va. Quand on arrive dans cette partie-ci, je suis dans le vide, fait que je peux bouger plus rapidement aussi sans problème. D'ailleurs, je dois avouer que j'avais jamais fait de feu d'arôme traditionnel auparavant. Et puis, quand je regardais le projet que Andy avait fait avec, je trouvais que c'était tellement précis et tellement bien fait que j'avais réellement l'impression que j'allais devoir donner beaucoup d'heures de pratique pour arriver à quelque chose de bien. C'est pas le cas, en fait. Je suis arrivée très rapidement à... En fait, quelqu'un qui a déjà fait des queues d'arôme traditionnelles, ça sera vraiment pas un problème. Donc, on arrive au bout, je ressors, et voilà. OK. Je vais retirer un peu, mais... Je sais pas si chez vous où est-ce que vous êtes. Moi, je suis à Stuttgart en Allemagne et il fait très, très chaud aujourd'hui. Donc, s'il fait chaud de votre côté aussi, on est ensemble. Alors, je sors ma barre. Je vais dévisser.
puis je vais venir vous montrer. En fait, je vais tasser mon laptop. J'ai pas du tout encore regardé la chatroom. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mes collègues Sonia et Myria, je suis certaine qu'ils travaillent fort pour bien vous répondre en français. Donc, si je vous montre comme ça ici, donc on a la première partie qui a été finie. Comme ça ici. On peut bien le voir. Donc, je suis arrivée à quelque chose. C'est sûr que là, je parle beaucoup, j'explique beaucoup. Donc, c'est beaucoup plus long, mais en réalité, c'est juste cette étape-ci, c'est très, très rapide. Une fois qu'on installe notre projet, ça se fait rapidement et proprement et très précis. Donc, on a une première partie qui a été faite. On va maintenant aller faire notre deuxième partie. Je vais la déposer juste ici. Notre deuxième partie, on n'aura pas besoin de la fraise à queue d'aronde. On va la retirer. On va seulement travailler avec une 6 mm à ce moment-là. Pour les gens qui ont déjà la workstation à la maison, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent patiemment. On a été pris au dépourvu. Ça a été un ajout. En fait, Origin existait déjà et puis on a ajouté la workstation. Et puis, en 24 heures, tous les workstations se sont envolées dans les commandes très rapidement. Donc, présentement, en fait, on était jusqu'à récemment sur une livraison en septembre, ce qui arrive bientôt. Le temps passe tellement vite, on arrive à septembre très rapidement. Et puis, présentement, les gens qui veulent faire l'achat de la workstation, c'est une précommande et puis ce sera la livraison au mois de novembre. D'ici là, si vous voulez travailler, je ne crois pas qu'on ait sur le hub une workstation pour à l'horizontale, mais à la verticale, je suis certaine qu'il y en a. Donc, il y a déjà des projets de workstation. Donc, si vous voulez vous en faire une, c'est sûr que ce ne sera pas pareil parce que, bon, premièrement, vous n'aurez pas toutes les indexations, toutes les fonctionnalités au niveau des angles et tout. Par contre, vous allez être en mesure de fixer votre projet. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire sans problème d'ici là. Donc, si vous êtes impatient et puis vous n'avez toujours pas reçu votre workstation, donc d'ici là, si vous voulez faire un projet comme ça, vous avez accès à le faire en faisant votre workstation vous-même avec le projet qui est sur le hub. Il y en a quand même déjà plusieurs qui sont sur le hub. Donc, vous pouvez regarder celle qui vous intéresse le plus puis la faire d'ici là. OK, alors j'ai changé ma fraise. On va venir installer notre deuxième plan de travail. Donc, ma barre de support, je l'installe, je vais vous montrer, juste ici. Pour s'assurer que mon matériau va être à la même hauteur, parce qu'on veut toujours travailler, c'est très important d'ailleurs, pour rester en bonne précision et en bon travail avec Origin, on doit toujours être à la même hauteur que notre surface de shaper tape. Donc, si je travaille, par exemple, avec mon... si je n'ai pas la workstation, là, par exemple, je travaille avec un plan de travail comme ça ici, un matériau, bien, je vais devoir avoir du shaper tape devant ma caméra qui va être à la même hauteur. Donc, c'est sûr que si on n'est pas à la même hauteur, à ce moment-là, on perd en précision, donc ce n'est pas recommandé. Donc, voilà pourquoi on installe notre barre de support juste ici. Je viens installer dans le haut, comme ça, ici. Un petit peu plus. C'est ma force. Parfait. Donc, c'est très facile à fixer, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est répétable, précis et on s'attend à avoir toujours le même résultat. C'est-à-dire que rapidement, j'ai installé mon matériau. Bon, ben mon matériau, je sais qu'il est à 90 degrés et puis que je peux commencer à fraiser sans problème. La seule chose est pour s'assurer qu'on ait une précision optimale, c'est recommandé de venir... Là, de toute façon, j'ai changé ma fraise, donc je n'aurai pas le choix, mais c'est toujours recommandé pour ce type de projet-là de venir faire votre Z-Touch sur votre matériau. Donc, j'ai réinstallé ma fraise. Je pourrais refaire
une grille sur mon nouveau matériau. Si on veut vraiment aller chercher une précision, supérieure. Par contre, je vais vous montrer en fait aujourd'hui que même si je ne... Parce que je veux vraiment vous démontrer que c'est répétable et puis on obtient toujours un très bon angle à 90 degrés. Donc, je n'irai même pas aujourd'hui refaire ma grille pour venir placer mon projet. Du fait que j'ai déjà fait ma mesure sur mon autre pièce, je vais seulement venir replacer mon nouveau fichier, le fichier 1, parce que j'ai commencé évidemment avec le fichier 2, je vous l'ai montré un peu plus tôt. Je vais venir placer directement sans aller refaire ma grille. Donc, oui, on peut regriller ou refaire notre grille sans problème. Par contre, je vais vous montrer à quel point que même en ne faisant pas ça, on obtient quand même un résultat très, très précis. Donc, notre surface de fixation, elle est très précise, puis répétable, c'est rapide, c'est intéressant. On aime ça quand on peut sauver du temps. Et puis, non seulement sauver du temps, mais c'est vraiment d'avoir un bon workflow, finalement, dans votre atelier. On va venir installer ça. Alors, si je me replace dessus, vous voyez, mon ancien projet est ici. Donc, je veux le retirer, évidemment. Donc, je vais aller sur « Dessiner »,« Retirer ». Et puis, on peut voir que mon historique de coupe est toujours présent. Donc, je viens cliquer sur « Effacer ». Donc, tout est disparu. On vient importer parce qu'on veut aller chercher notre deuxième fichier. Et puis, j'avais travaillé avec le fichier 2, donc je vais aller travailler maintenant avec le fichier 1, celui-ci. Mon point d'ancrage est déjà dans le bas, comme ça ici, c'est ce qu'on veut. Et puis, même chose, je vais venir vous montrer, je vais redéplacer encore une fois à moins 10, moins 10, et voilà. J'ai placé mon projet. Donc, du fait que j'ai changé ma fraise, par contre, je vais revenir faire mon Z-Touch. Je viens me réinstaller sur mon projet. Je viens aviser que j'ai une fraise de 6 mm et puis je viens cliquer sur mon Z-Touch. Quand que le Z-Touch se fait, c'est important de ne pas toucher la machine. Elle va travailler d'elle-même. Et voilà, donc maintenant, mon axe des Z est bien calibré. Alors, encore une fois, si je regarde mon projet, donc j'ai ma ligne qui démontre où est mon matériau. J'ai mon projet de fraisage juste ici. Et puis, encore une fois, il n'a pas été color-codé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de code de couleur, donc je dois venir moi-même venir choisir mon projet. Donc, théoriquement, je vais venir faire un intérieur. Par contre, si je viens faire un intérieur, on peut voir que le centre, juste ici, à certains endroits, le matériau va pas être fraisé. Donc, j'ai deux options. Je peux soit commencer à venir faire mon matériau puis finir ma petite poche, faire des petites poches pour venir retirer le matériau ou commencer par la poche. C'est vraiment comme bon vous le semble. Moi, je vais commencer en fait par ma poche. Fait que je vais enlever un peu de matériau à ce moment-là. Donc, on va faire une poche. 6 mm et ensuite, une 12 mm. Comme je dis, là, je parle beaucoup parce que je veux tout vous expliquer, mais tout ça, c'est tellement rapide et simple quand on le fait et puis je me suis pas chronométrée par contre en le faisant, mais c'est très, très rapide. Là. Aujourd'hui, on va prendre beaucoup de temps pour tout expliquer, puis non seulement expliquer le projet, mais aussi dire pourquoi je le fais comme ça, mais en réalité, c'est quelque chose de très rapide. Donc, j'installe ma protection. Toujours important de porter le casque pour protéger nos oreilles. Même chose pour la vision. Et puis, si on a de longs cheveux, on les attache, évidemment. Alors, on va aller enlever juste un peu de matériel, comme je disais, au centre pour s'assurer que tout soit fraisé au centre. Donc, on démarre notre aspirateur et puis on y va. J'y vais vraiment grossièrement. Parce qu'en réalité, c'est juste vraiment pour aller s'assurer d'enlever suffisamment de matériaux. Mais on pourrait aussi, comme je dis, commencer par l'autre partie, puis à la fin, vous allez bien voir exactement où est-ce que qu'est-ce que vous n'avez pas encore fraisé. Donc, c'est vraiment propre à vous. Donc, cette fois-ci, comme je disais, on va venir
savais pas déplacer ma barre de support. Je vous parle, puis je vous dis de pas faire ça, puis je le fais. Donc. Vous êtes capable de fraiser en mode automatique sur tous les types de fraisage, excepté le mode poste. Ce ne sera pas quelque chose de possible à ce moment-là. Donc, aussi, si vous voulez travailler, par exemple, en mode intérieur, je vous donne des petits hints aujourd'hui. En fait, si vous travaillez, vous voulez fraiser en mode intérieur ou extérieur, il faut absolument ayez une forme fermée. Si vous avez juste seulement une ligne, vous ne pourrez pas faire le choix ici de mode de fraisage intérieur ou extérieur parce que l'origine n'est pas capable de savoir est-ce que c'est l'intérieur ou l'extérieur parce que c'est seulement une ligne. Donc, si vous voulez travailler à ce moment-là en mode intérieur ou extérieur, à ce moment-là, il faut absolument que vous ayez une forme fermée. Ou sinon, vous allez devoir travailler vraiment sur ligne quand vous avez une ligne. On y est presque. Donc, le but est vraiment juste d'aller respirer un peu de matériau. On devrait être bon là-dessus. Donc, j'ai fait un peu mes poches. Une fois qu'on a fait ça, on va aller s'installer. Je vais venir me réinstaller sur mon projet. Donc, on va venir faire une 6 mm cette fois-ci. Une fois qu'on a installé notre 6 mm, on va travailler en intérieur, en fait, aujourd'hui. Et puis, pour la première passe, je vais faire un petit offset de 0.05 positif. Et voilà. J'ai déjà fait mon Z-Touch, donc tout est beau. Donc, même chose encore une fois, on peut travailler en mode auto. On reste sur le mode barre défaut. Donc, même chose, on va venir vraiment retravailler tous nos projets. Par contre, cette fois-ci, la seule différence, c'est qu'on a une mèche différentes. Donc, ça fait en sorte que si, advenant, vous sortez du mode correctif lorsque la fraise se relève, vous n'aurez pas de problème, il n'y aura pas d'endommagement finalement sur votre matériau. Donc, on y va. On va faire la première passe à 6 mm. J'aime bien travailler avec le offset pour avoir une précision. C'est-à-dire que ma première passe, à ce moment-là, je viens la faire avec un léger offset. Et puis, ma dernière passe de finition, sans offset, on va aller vraiment chercher un fini, une précision plus intéressante. Je crois qu'on travaille déjà très en précision là, avec Origin. Par contre, si on veut aller chercher un travail encore plus précis, encore plus net. Je vous recommande le offset. D'ailleurs, sur notre section soutien, sur notre site web, il y a un article à propos des offsets, comment bien les utiliser et quelle est la meilleure procédure à travailler finalement avec un offset. À la fin de ce webinaire, il va y avoir un petit questionnaire. À ce moment-là, je serais vraiment heureuse que vous répondiez parce que c'est vraiment pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voudriez, de quoi que vous voudriez qu'on parle et tout. Donc, vraiment pour vous écouter finalement pour les prochains webinaires à venir. Donc, prochaine passe, on y va à un 12 mm. Par contre, cette fois-ci, théoriquement, je pourrais faire sans offset. Mais je vais être très serrée parce que je vais avoir deux morceaux sans offset. Et puis, je vais vous avouer très honnêtement, je ne suis pas très forte.
Donc, j'ai un peu de difficulté à les installer ensemble. Donc, j'aime bien travailler avec un léger offset. Donc, je vais travailler avec un 0.02 minimum. À ce moment-là, on va avoir juste un léger offset qui va faire en sorte que ça va être plus facile pour moi de les emboîter. Mais aussi, par exemple, là, aujourd'hui, je ne les collerai pas devant vous, mais en voulant ajouter un petit gap de colle, c'est bien. Hier, j'ai pratiqué sans offset. Je suis arrivée à quelque chose de vraiment net, vraiment précis. Et ça m'a vraiment pris du temps à les assembler parce qu'ils étaient très serrés. Donc, je ne veux pas perdre trop de temps avec vous aujourd'hui pour les assembler. Donc, on va y aller avec un léger offset négatif, donc vers l'extérieur. Donc, on y va. Donc, comme tu disais, le prochain webinaire, je suis curieuse un peu de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. On a touché un peu au SVG, on a, bon, la base, on doit toujours la montrer pour certaines personnes, mais pour les gens qui sont déjà habitués avec leur origine, quel type de thème ou de projet que vous aimeriez qu'on fasse en live? Et puis, à ce moment-là, on veut vraiment s'ajuster en conséquence de vos besoins, de vos questions. Donc, à la fin du webinaire, il y aura un petit questionnaire. Ça va prendre quelques minutes si vous voulez bien y répondre. Moi, ça me rendrait vraiment heureuse parce que mon but, évidemment, de... Oui, on veut bien vous informer. On veut faire des lives particulièrement du fait que, bon, la plupart des salons et expos ont été retardés ou annulés. Mais je veux savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez toujours aussi venir m'écrire à hello@chepetos.com puis venir me laisser l'information. Mais si vous voulez juste répondre au questionnaire rapidement aussi, ça va être encore plus simple et rapide. Parfait! Alors, puis on peut bien voir ici, on le voit très très bien là, le foncé le plus pâle. Donc, plus qu'on va foncer, plus que notre passe, elle est profonde. Parfait! Ça devrait être bon. Génial! Alors... Voici mon projet. Alors, je vais vous montrer ma deuxième partie. Juste ici. Qui a été bien fait. On arrive avec une coupe nette et précise très rapidement. Donc, je vais les assembler. C'est toujours ma partie. J'ai besoin d'être forte. Mais avec mon petit offset, je vais être bonne. Ah oui! Et voilà! Vous voyez, j'ai fait un léger offset 0.02 mm. Mais on arrive à quelque chose de vraiment propre, vraiment précis. Si, par exemple, chose qui est très intéressante avec Origine, c'est que, par exemple, si je me rends compte que j'ai besoin d'un offset un peu plus gros parce que je veux ajouter de la colle ou, ah oh, oui, finalement, j'aimerais avoir un offset un peu plus gros, bien, ma deuxième partie qui est juste ici, je viens la réinstaller dans mon origine. Puis, à ce moment-là, je viens ajouter mon offset et je refraise. Du fait que, comme je vous ai montré, en fait, je n'ai pas refait ma grille et puis je suis arrivée avec quelque chose d'aussi précis, bien, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on peut reprendre le même panneau, venir le refixer et retravailler sans problème. Donc, en fait, ça, c'est le projet. En fait, je vais vous montrer un peu. Le projet lui-même... a été fait, c'est-à-dire que, bon, Andy a fait ça ici pour qu'on puisse nous-mêmes travailler pour peu importe le projet, mais si vous voudriez vous-même faire, par exemple, une boîte, bien, à ce moment-là, le projet complet, on pourrait dire, se retrouve aussi sur le Shaper Hub.
Donc, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui. Donc, Andy a fait une boîte. Et puis, est venu faire, on peut bien voir là, la précision qu'on est capable d'aller chercher. Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup d'heures de pratique pour arriver à quelque chose de précis. Donc, premièrement, on gagne en rapidité. Pas aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de blabla, mais on gagne en rapidité, on gagne en précision et on gagne en répétabilité. On peut répéter un projet. Puis, il va être très précis, très net, très rapidement et facilement avec Origin. Donc, en fait, moi, je tenais beaucoup à vous montrer ce type de projet-là parce que c'est vraiment, en fait, un projet qui démontre bien, je pourrais vous dire, la précision que Origin a. Par contre, on peut travailler avec vraiment différentes choses. Là, aujourd'hui, je vous ai fait des queues d'aronde, mais en réalité, vous pouvez travailler... On peut faire une chose qui est souvent très appréciée, ça va être faire pour des charnières invisibles. Donc, ça se fait très rapidement, facilement, c'est répétable. Donc, on vient vraiment gagner en rapidité. Et évidemment, une autre chose qui est très intéressante par rapport à Origin, c'est qu'elle est portative. Donc, aujourd'hui, on a travaillé sur la workstation. On ne voit plus grâce à mon projet. Donc, la workstation. Donc, ça va être vraiment quand on travaille sur des petits projets. Mais par exemple, si on veut travailler sur de très gros projets, il y a une possibilité de le faire sans problème. Hi! Elle n'était pas collée. Elle a été assemblée, mais pas collée. Je vais vous montrer, en fait, un des projets qui démontre réellement le côté... L'avantage d'origine au niveau de la qu'elle soit portative, c'est un projet fait sur un plancher, en fait. Quelqu'un a nous a envoyé, parce qu'on a la possibilité avec Shaper Assist, de travailler, en fait, si vous avez un projet, mais que vous ne voulez pas vous-même faire le fichier SVG, vous nous faites un petit croquis ou vous nous expliquez qu'est-ce que vous voulez. Puis à ce moment-là, nous, on va vous faire un devis. Puis à ce moment-là, lorsque vous l'acceptez, on vous crée un fichier SVG, on vous l'envoie dans votre Shaper Hub. Et puis à ce moment-là, c'est ce qui a été fait avec cet utilisateur-ci. Donc, il y avait un plancher dans une salle de musique. Donc, on peut voir le piano, la harpe. Ici, il y a un autre instrument. Et puis, il voulait faire une insertion dans son parquet de sa chanson préférée. Donc, on a travaillé. Et puis, l'avantage, tu sais, Origin est une CNC portative. Donc, l'avantage, avec une CNC régulière, on n'aurait pas pu arriver à travailler sur le plancher, étant donné qu'on ne peut pas amener le plancher sur la CNC, évidemment. Donc, on est venu marquer, aujourd'hui on a travaillé avec la workstation, par contre, dans ce projet-ci, on est venu marquer notre plancher pour qu'Origin puisse savoir où elle se situe dans l'espace. Et puis, on est venu faire les insertions sur une longueur de 9 mètres. Donc ça, c'est vraiment un projet qui démontre la force d'Origin au niveau de la précision, mais au niveau que lorsque on travaille avec Origin, étant donné qu'elle est portative, on arrive à ouvrir des horizons. Des projets qui n'auraient pas nécessairement été réalisables avec une CNC régulière. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'ai pas du tout regardé la chatroom jusqu'ici. Je ne sais pas si mes collègues ont bien répondu déjà à vos questions. On va regarder ça ensemble. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est le dernier webinaire francophone du mois d'août. Je vais vous laisser... profitez de vos vacances et puis on va se retrouver ensemble en septembre. Donc, comme je vous dis, dans la chatroom, mes collègues pourraient rajouter le questionnaire. Donc, à ce moment-là, vous allez être en mesure de nous donner un peu une idée de qu'est-ce que que tout a été répondu. Une donner une idée de quel type de projet que vous aimeriez faire finalement avec,
avec Origine pour la prochaine fois, pour le prochain webinaire. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup que vous répondiez aux questions. À ce moment-là, ça va me permettre de mieux me guider pour mieux vous satisfaire. C'est sûr que si vous avez des questions, là, je vois, j'ai pas de l'air à avoir de questions non répondues. Ah oui, il y a une question qui a été qui reste à répondre. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire un offset en réalité? En fait, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que à la fin de mon projet, j'ai décidé sur mon deuxième panneau de faire un offset pour avoir un glue gap, pour faire en sorte que ça s'emboîte un peu mieux. Et puis, par exemple, si je voudrais, si je voulais faire un projet et puis le coller, à ce moment-là, c'est pas une obligation, mais on aime bien avoir un petit glue gap pour rajouter à notre projet. Ou encore, si vous voudriez, si vous voulez faire un projet, mais que ça soit, moi, c'est vraiment aussi parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment de la difficulté à les emboîter, fait que je rajoute juste un léger offset. À ce moment-là, ça s'emboîte un peu plus facilement. Pour ce qui est du offset avant, c'est-à-dire avant que ça se termine, c'est-à-dire ma première passe, j'ai décidé de faire un offset, et puis ma deuxième passe sans offset, ça fait en sorte que sur ma première passe, en ayant un petit offset, sur ma deuxième passe, pas d'offset, on vient gagner en précision. Vraiment sur la plateforme de partage, je vais vous montrer une section que j'ai tout traduit en français pour vous. Donc, je vais vous le montrer. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, par exemple, si vous avez des questions par rapport, je suis rendue en anglais. Du fait que je suis en Allemagne, souvent, oui, vous voyez, ça a changé automatiquement à l'allemand, mais je vais retourner au français. Donc, vous cliquez sur « Ressources »,« Support », et puis là, présentement, je suis sur le site allemand, étant donné que je suis sur une adresse, je vais vous montrer, une adresse IP allemande. Je vais trafiquer, puis je vais retourner au site en français, oui. Donc, la section support, il y a vraiment plusieurs, par exemple, à propos d'utiliser Origine. Donc, il y a différents types d'articles. Puis, par exemple, si vous avez une question sur l'offset, vous écrivez offset dans le haut, puis vous allez avoir l'information. Donc, il y a un article qui explique vraiment bien comment bien utiliser l'offset pour aller chercher une précision lorsque vous travaillez avec Origine. Donc, on recommande souvent de faire les premières passes avec offset. Deuxième passe, sans offset, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher quelque chose de plus net et précis. On a une petite question par rapport à la workstation. C'est pas vraiment… En fait, c'est sûr que on peut travailler avec la workstation avec différents types de projets. Donc, on n'est pas obligé d'aller travailler avec les petits projets. Les petits projets, c'est très québécois. Les petits projets, en fait, je vais vous montrer. On a la tablette ici qu'on peut venir insérer aussi pour travailler à l'horizontale. Donc, les petits projets, c'est très intéressant parce qu'on les fixe très rapidement et facilement. Par contre, on peut aussi très bien travailler sur de plus gros projets. Je vais vous montrer, en fait, quand je viens installer ma barre de support, juste ici, je viens l'installer dans mes bras de support. Par contre, si je voudrais venir fixer quelque chose qui est beaucoup plus gros, très simplement, avec le même outil encore une fois, voilà, ça a été bien serré. Donc, on vient les débarrer, puis je retire mes bras de support. Je vais vous le montrer. Ça se fait très rapidement et simplement. Puis à ce moment-là, ben, on peut venir travailler sur un projet qui est beaucoup plus gros, venir le fixer sans problème. Donc, d'ailleurs, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube par rapport quel type de fixation qu'on peut faire. Donc, vraiment par rapport aussi à la workstation elle-même. Donc, je crois, si je me souviens bien, c'est 17 minutes
Et puis, c'est sous-titré en français. Donc, dans le bas à droite du vidéo, vous pouvez cliquer pour le sous-titre en français. Mais ça va vraiment vous démontrer un peu quel type de fixation vous pouvez venir faire sur la workstation. Mais on l'aime beaucoup pour les petits projets parce que c'est très pratique. Mais les grands projets aussi, c'est très possible de venir fixer. En fait, même quand vous fixez des gros projets sur votre workstation, vous pouvez même m'envoyer des photos. J'ai vraiment des trucs originaux que j'ai reçus de différents utilisateurs qui ont été astucieux, qui ont bien organisé leur workstation selon le projet qu'ils feraient. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez sur un petit ou un gros projet que vous ne pouvez pas travailler avec la workstation. Par contre, ce qui est intéressant en ayant accès à la workstation, c'est que le marquage est déjà fait. Donc, vous n'avez pas besoin de venir remarquer votre projet. Et aussi, c'est vraiment l'angle. C'est-à-dire qu'on peut, oui, aujourd'hui, on a travaillé en fait sur un angle de 90 degrés, mais vous, avec la workstation, vous recevez aussi la butée d'angle qui vous permet de venir aligner selon un angle bien précis votre projet. Donc, on peut aller chercher vraiment plus de flexibilité au niveau des angles, au niveau de la rapidité, de la reproductivité. Donc, c'est sûr que la workstation amène vraiment quelque chose de supplémentaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le système complet, c'est-à-dire que Origin existe déjà depuis un moment et est accessible au Canada et aux États-Unis. Elle est disponible en Europe depuis le 17 mars dernier. Mais on a ajouté la workstation pour aller chercher encore plus selon, en fait, vos commentaires. C'est-à-dire que vous êtes toujours les bienvenus quand, à partir du moment que vous avez Origin ou même sans l'avoir, vous pouvez toujours nous écrire via hello@shepherdtools.com selon vos commentaires. Et puis nous, on prend vraiment vos commentaires et puis à ce moment-là, ça nous permet d'optimiser la machine selon vos besoins. Donc, je crois que ça y est pour les questions. Mes collègues ont été très efficaces. Je les remercie d'avoir travaillé en français. Et puis, voilà, donc on a le projet d'aujourd'hui. Et puis, je vous invite à répondre au questionnaire pour les prochains webinaires, vraiment pour avoir une bonne idée de ce que vous voulez. Puis, on va y aller en conséquence de ça. Donc, évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires, quoi que ce soit, venez m'écrire à hello@shepherdtools.com. C'est toujours un plaisir de vous lire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on se revoit pour un prochain webinaire. Je vous souhaite, il fait très chaud aujourd'hui, je vous souhaite un bon apéro. Ciao, ciao!